mais également le promoteur. Ça s'appelle Solar Impulse. Et comme vous l'avez sans doute déjà appris à travers les médias, voilà que ce Picard un peu extraordinaire, comme tous les Picards, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, veut nous faire un tour du monde en avion solaire, dans le but de promouvoir cette fois le développement durable. Rien que pour tout ça, ça valait déjà au moins un doctorat honoris causa chez nous à Louvain. Deuxième invité, Fernand Baquet. Fernand Baquet est biologiste marin, c'est un professeur émérite de cette maison qui s'est intéressé très tôt à la vie dans les grands fonds, en particulier aux poissons bioluminescents. Mais il est surtout ici, à cette table ce soir, parce qu'en 1979, il a effectué avec Jacques Picard, c'est-à-dire le papa de Bertrand, Jacques Picard étant lui-même le fils d'Auguste Picard, qui est donc le grand-père de Bertrand. Avec Jacques Picard, disais-je donc, il a fait 21 plongées dans le détroit de Messine avec le sous-marin Forel, conçu par Picard. Troisième invité, Jean-François Reiss. Jean-François Reiss est parmi nous parce qu'il est à la fois le parrain de Jacques et de Bertrand Picard. Professeur au département de biologie, il est également membre de l'Institut des sciences de la vie. Et comme biologiste marin, ben, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il s'intéresse lui aussi à la vie dans les abysses et qu'il travaille actuellement sur un projet d'aspirateur des abysses lié au six-orbiteur de Jacques Rougerie. C'est un peu chinois tout ça pour le moment, mais ça va se clarifier très vite, comme vous allez le voir. D'autant plus qu'on va ici aussi commencer par les images, et comme l'a dit Pierre, malheureusement, votre père n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir, et donc, bon sang ne peut mentir, je pense que Bertrand représentera très bien son père Jacques, mais en tout cas, nous allons maintenant rendre hommage à Jacques Picard, et tout d'abord à travers des images qui nous ont été fournies par Fernand Baquet, précisément, à l'occasion de ses plongées avec Picard dans le détroit de Messine. Et cette fois-ci, c'est sonorisé. Donc, je vous invite à regarder ça religieusement ou spirituellement, comme vous voulez. Ça vaut la peine et vous verrez, il y aura des surprises. Alors, je suis content de m'adresser à M. Baguet, qui sera maintenant sous la forme d'une caméra de télévision. Mais enfin, M. Baguet, comme vous savez, j'ai un immense souvenir de vous et des travaux qu'on a fait ensemble. On a fait quelques dizaines de plongées dans des lacs en Italie et en Suisse, et en particulier dans le lac Léman. Et ce que j'ai appris au cours de ces plongées, ce n'est pas uniquement ce qui était en dehors du tableau, mais c'était ce que vous me racontiez, ce que vous me disiez, vos propres expériences de laboratoire, quand vous compariez l'attitude des poissons en laboratoire et en mer ou dans les lacs, tout ça était passionnément intéressant pour moi. Et je vous suis toujours resté très très reconnaissant. Je vous fais tous mes voeux pour que votre carrière continue encore aussi longtemps que possible et dans des conditions aussi bonnes et aussi brillantes pour vous que cela a été jusqu'à présent.